Je suis Yves Klein, responsable des coffres de sûreté à la Helvetia Bank de Zurich. En cas de non-paiement de l'abonnement et 30 jours après la dernière mise en demeure, je dois ouvrir une enquête. Messieurs Jenny, Kumerum et Regula, mes patrons. Numéro 833 a été loué le 22 avril 1945 par M. Gunnar Reich en personne. Un compte lui a été ouvert simultanément avec un dépôt de 43 000 francs suisses destiné en partie à couvrir les frais de location. Aucun retrait n'a été effectué sur ce compte jusqu'en 1951. Les mouvements ont alors commencé jusqu'en mai 1953 jusqu'à épuisement complet du compte. L'adresse de Gunnar Reich nous est inconnue. Deux lingots d'or frappés du sceau de la banque du Reich et qui plus est, déposés chez nous en 45. Ils doivent provenir des réserves du Troisième Reich. Mais... Nous savons que de hauts personnages nazis ont mis une partie de leur butin à l'abri après la guerre. Ah, mais de simples rumeurs, rien d'autre. Non, non, ce sont plus que des rumeurs. Si je comprends bien, vous aimeriez aller au Guatemala voir si Martin Bormann n'en revendiquerait pas la propriété. Et vous, à Berlin, voir Rudolf Hess, il est peut-être au courant. Je peux aller à Nuremberg pendant que nous y sommes. Tout ce que nous savons, c'est que ce Gunnar Reich semble d'origine suédoise. Permettez-moi d'en douter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a émis une foule de faux passeports en ce temps-là. Ah, de toute façon, nous avons de bonnes relations avec la banque de Stockholm. Demandons-leur s'ils connaissent Reich. Le numéro de passeport peut être utile tout de même. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi un Suédois aurait caché de l'or dans une banque zurichoise. Parce que la clientèle est tranquille avec nos banques. Si cet argent avait été à moi, je ne serais allé nulle part ailleurs que dans une banque zurichoise. Et je ferais pareil aujourd'hui. Dans ce trou perdu, si loin de la ville, des cinémas, de la foule, des restaurants. Ah, franchement, je pourrais pas. J'ai connu tout ça avant, et bien connu. J'étais pas en reste à l'université. Oh non. Et puis j'ai rencontré Franck, je suis tombée enceinte, alors... Alors voilà. Le destin a voulu que l'on vienne s'installer dans ce trou-là. Nous voulions de l'air pur pour notre enfant. Je ne savais pas que... Oublions cela. Cueille du thym, s'il te plaît. Et une bonne poignée de basilic, il en faut pas mal dans la sauce. Maya a l'air de se plaire à la campagne. Reste à savoir ce que ça donnerait à longue échéance. C'est en si risquant qu'on peut le savoir. Bien sûr. Bien sûr, mais il faut prendre des risques calculés, notamment en s'accordant le temps de vivre. Or, dans la vie que je mène, c'est le temps qui me manque le plus. Toi, tu as trouvé la formule, semble-t-il. Vieille comme le monde. Il faut seulement savoir dire non. C'est la seule façon d'affirmer notre personnalité et d'être libre avant tout. Qui dit toujours oui n'est ni plus ni moins qu'un esclave. Ça a l'air simple, je devrais me lancer. Mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Ta nouvelle affaire, elle est passionnante, ça vaut le coup de poursuivre. T'es même philosophe à tes heures. Si c'est ce que je pense, Yves. Cette affaire serait liée au plus grand pillage que l'histoire ait jamais connu. L'idée est séduisante, mais je te rappelle qu'il y avait juste un demi-million dans le coffre. Alors que ça montait à plusieurs milliards. Milliards? Tu plaisantes?
En février 1945, la plus grande partie du trésor du Reich a été transportée en Thuringe dans une mine de sel. Ça a nécessité la mobilisation de 13 wagons et d'une vingtaine de poids lourds. Ce butin provenait de pays européens. Les Américains sont arrivés 2 semaines après ce transfert. Et le trésor a été retransféré, devinez-nous, aux USA. Et on ne l'a jamais revu. Oh, pas si vite. Attends de connaître l'épilogue de l'histoire. Il restait un reliquat du trésor à Berlin. Celui-ci est parti vers le sud en avril 1945. 9 tonnes de lingots d'or, du platine, des pierres précieuses et des sacs de devises étrangères ont pris la direction des Alpes à bord d'un train spécial et de 6 gros camions. Opération baptisée « Trésor des Nibelungen », destination une caserne de chasseurs alpins à Mittenwald. Et tu me reprends si je me trompe. Tu as dit avril 1945, or la guerre s'est terminée début mai. Tout est arrivé en si peu de temps. Ouais, c'est plutôt étonnant, mais tout s'est bien passé. 2 ou 3 mandarins du parti et autres généraux SS ont réussi à mettre des petites fortunes de côté en profitant de la débâcle. La grosse majorité en Autriche. Comme quoi, il y a du vrai là-dedans. Je veux parler de ces histoires de trésors enfouis, genre Lactoplitz et autres. Il n'y a pas de fumée sans feu. Une grande partie de ce chargement n'a jamais été retrouvée. Et il y a peu de temps que les autorités internationales savent, ou du moins à peu près, où était passé ce trésor après son transbordement à Mittenwald. Sait-on où il est maintenant? Dispersé aux 4 vents, mais bien existant. L'or nazi est entre quelques mains, 2 ou 3 Européens et autant d'Américains. Gunnar Reich, fils de diplomate allemand, né à Stockholm, le 2 août 1923. Il est donc allemand et non pas suédois. C'est exact. Et en tant que fils de diplomate, il se peut qu'il ait frayé avec des nazis. Personnellement, je crois qu'il ne vaut mieux pas lever ce lièvre. Il ne ferait pas bon de dévoiler que ce que Reich a planqué dans nos coffres appartenait à l'ancien gouvernement nazi. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'on nous accuse à tort de protéger le fruit de rapines diverses. Et si en plus nous sommes les banquiers de certains monstres, voyez d'ici les faits. Tenons-nous-en aux faits pour l'instant. Il n'y a actuellement que le propriétaire du coffre ou ses héritiers éventuels qui peuvent prétendre un droit normal sur ce qu'il contient. C'est donc pour cela que nous devons les identifier. La seule indication, disons à peu près valable, que nous ayons figure sur ce reçu que... Quel nom déjà? Capitaine Fred Speaker. Aurait remis à Gunnar Reich... À Garmisch. C'est ça. Une visite semble s'imposer. Je vous remercie. Un petit voyage à Garmisch, monsieur Kummerum? Ça me permettrait de souffler un peu. Je pourrais très facilement faire votre travail, mais vous, pas le mien. Tu veux bien pousser ta carte routière, s'il te plaît? C'est pas une carte routière, c'est la carte du trésor, cher petit ingénieur. J'ai nu. En pleine montagne? Il me semblait que les trésors étaient toujours enfouis dans des îles désertes. Je suppose que tu cherches l'or des nazis. Messieurs les banquiers, partent-ils à la pêche au crabe? Faut bien se distraire. Pas au hasard. Les preuves sont d'une étonnante clarté. C'est-à-dire? L'or est d'abord allé à Mittenwald, c'est certain, mais pas pour longtemps. Les Allemands ont tout bêtement enterré leur butin 2 ou 3 semaines avant l'arrivée des Américains, à l'intérieur de ce périmètre. Ouais. T'es complètement folle. Ça vaut des milliards, ça. Il doit bien y avoir des gens qui ont été témoins de cette affaire. Qui se feront un plaisir de tout raconter. Mange, ta pizza va être froide. Vous nous avez apporté le beau temps avec vous, hein? Vous êtes suisse? Oui, de Zurich. C'est une jolie ville. Un peu cher. C'est vrai. L'essence en particulier. Votre pays est joli aussi. C'est la première fois que vous venez? Oui, je compte m'arrêter à Garmisch. Garmisch? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce bled-là? C'est encore plus tard que Munich. Vous étiez bien mieux à Zurich. Allez savoir. Ça fait 49 shillings 10. Ouais. Tenez, ça ira comme ça. Vous pouvez me faire un reçu? Tout de suite, merci. Mais je vous conseille de visiter notre région. Ah, vous le regretterez pas. Je vais voir. Oh, dites-moi, y a pas une caserne de chasseurs alpins dans le coin? Eh oui, pas tellement loin. Je pense pas que cette caserne ait un intérêt touristique particulier, même si un personnage célèbre comme moi y a appris les mots-clés de tout le régiment. Oui, mon adjudant. Ah bon? Vous avez été soldat dans cette caserne? Soldat, non. C'était trop tard pour l'active. J'avais 16 ans lors de la Révolution populaire. 16 ans? Quelle folie. Eh...
Dites-moi, vous devez connaître l'histoire de ce fameux trésor. Le butin de guerre qui aurait été amené dans la région. Hein? Ah, et comment je le connais? C'est le seul sujet de conversation du patelin. Selon vous, il y a du vrai? Sûr. J'en connais quelques-uns qui avaient pas un rond, et qui après, ils touchaient plus le plancher. La fortune sourit aux audacieux. Ah oui, c'est possible. Personnellement, je pense que c'est pas que de l'audace qu'il faut, plutôt quelques bons copains. Le nommé Sanger est toujours là, il commandait votre régiment. Disparu corps et bien, mais très probablement en Amérique du Sud, comme beaucoup de ses ex-compagnons. Je sais pas ce qu'il trouve à ces pays-là. Le climat est aussi les jolies filles. Bah, si on a de l'argent. Toujours la même chose. Chaque fois qu'un type comme vous lance l'hameçon, les journaux mordent. Ouais. Et toute une bande de bons à rien se ramène. Des chercheurs? Il y en a qui ont trouvé? Allons donc, bien sûr que non. Il aurait fallu qu'il vienne bien plus tôt que ça. En 1945? Ouais. Vous avez été témoin de certains faits et gestes, sans doute. Ah, témoin, c'est un bien grand mot. J'avais 15 ans à peine à cette époque-là. J'ai vu qu'il se passait quelque chose, malgré tout. Il y a eu pas mal de va-et-vient. D'abord des soldats de la Wehrmacht, les Américains après ça. J'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais les choses finissent toujours par se savoir. Excusez-moi d'insister, mais vous ne sauriez pas ce que signifie ce genre de repère. Où avez-vous déniché ça? C'était à quelqu'un qui semblerait avoir participé de près à l'affaire. N'auriez pas entendu parler de Gunnar Reich quelquefois? Reich? Gunnar? Jamais entendu ce nom-là. Ou alors vous savez ce que c'est, quand on prend de l'âge comme moi, on oublie. Non, ça ne me dit rien. Au revoir et encore merci. À votre service. Il t'a interrogé sur Reich? Qu'est-ce qu'il sait de lui? Je l'ignore. Il est suisse d'après ce qu'il m'a dit. C'est un journaliste. Il voulait savoir si le nom de Reich me disait quelque chose. Allô, j'écoute. Non, je connais pas. Je ne fais pas partie du harem d'Yves Klein. Je regrette, je n'ai pas le temps. À moins que vous ne le demandiez très gentiment. Mieux que ça. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une piscine dans l'établissement? Alors j'emporte mon bikini. Tu blagues ou tu es fou? Tu me vois avec des gros godillots? J'aurais le droit de les enlever pour me coucher. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Messieurs, dames. Bonsoir. Ce dîner vous a plu? C'était super, mais un peu trop copieux. Oh, ça s'élimine très facilement. Vous faites l'ascension du Brunner et tout disparaît. Nous prévoyons le Croton Vand demain. Le Croton Vand? Ah, je vous lève mon chapeau. On s'arrêtera si on est fatigué, de toute façon. Ouf. Si je peux me permettre un conseil, prenez d'abord le téléphérique du Brunner et montez par l'alpage après. Ça vous diminuera la course de moitié, ce qui représente beaucoup déjà. Vous voyez ce que monsieur m'oblige à faire? Pas du tout, je regrette. L'alpinisme, ça conserve, t'en as la preuve. Ah oui, je suis bien conservé, oh là, je travaille comme un fou, comme ça j'ai pas le temps de faire de l'alpinisme. À croire que ça vous réussit bien. Merci, vous auriez dû me voir quand j'étais plus jeune. Lui, il est beau garçon, mais rachitique à côté de ce que j'étais. Moi, je suis rachitique? Vous êtes de la région, monsieur Steinberger? Oui, depuis ma naissance. Vous devez connaître tout le monde. Oh non, il s'en faut, disons la majorité. Un certain Gunnar Reich. Non, 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 vous m'excusez, j'ai affaire.
Alors? Où veux-tu mener ta jeune esclave? Nous pouvons prendre par ce chemin-ci ou celui-là. C'est-à-dire droit devant. Le problème, c'est que c'est un petit peu raide. De toute façon, le repère est en plein milieu. Mais où tu as vu un chemin? Là où Yves Klein veut aller, Yves Klein va. Pourvu qu'il ne m'emmène pas vers le trépas. Ça, c'est une autre histoire. En route. Mauvaise troupe. Ça va? T'en as encore pour longtemps à faire suer le baudet. Allez, hop. On y est presque. Allez, un dernier effort, viens. Elles en ont de la chance. Elles n'ont pas un Yves Klein qui les traîne où ils veulent. C'est bien là. Et haut pour ça? Oh. Pour une simple cachette. Nom d'une pipe, tu imagines? Ces fourrés abritaient des tonnes d'or il y a 40 ans. Et tu éprouves du plaisir en voyant ça? L'excitant de l'histoire, c'est qu'il a disparu complètement. Ce trou-là nous prouve que l'or était bien ici. Et que cette carte-là est bel et bien liée au trésor des nazis. T'as réussi à le prouver? Oui. Ou du moins en partie. On trouve un autre trou et on est sûr à 100%. Tu espères le trouver? Bien sûr. Tu sais que t'es vraiment un pauvre type. On reste pas là. Lâche-moi. Fais voir. T'as mal? Ah oui. Ça va aller? Bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un accident? Nous avons été pris dans un éboulis. Ah, entrez, je vais voir ce que je peux faire. Attention. Doucement, n'allez pas tomber. Venez. Ça va aller. Doucement, là. Doudou. Oh, vous voulez un café? Un schnapps pour vous remettre. Et vous? J'aimerais bien un schnapps et café. Je vous les apporte. Oh. Moi qui me faisais une joie de retrouver ce deuxième trou. Drôle, c'est Pierre qui déboule d'un seul coup. Parce que tu trouves ça drôle en plus? À la rigueur, s'il avait fait mauvais temps. Voilà, tout est là. Plein de bonnes choses. Buvez, ça va vous remonter le moral. Il n'y a rien de meilleur. Merci. À ta santé. Dès que mon mari sera de retour, il vous conduira chez le médecin. Est-ce que vous avez souvent des avalanches de pierres? Oh,
Sur le chemin du Krottenwand. Sous les mamelons, là, où il y a comme des îlots de verdure. Non. Non, il n'y a jamais eu d'accident. Une fois, si. Il y en a eu là où ça devient raide d'un seul coup. Il y a eu une chute mortelle. Une chute mortelle? Oh, c'est pas d'hier, non. Il y a une bonne trentaine d'années. Mais comment c'est arrivé? Le malheureux est mort sur le coup. Je peux rien vous dire. Je m'en rappelle bien. C'était vers la fin août. À moins que... Au début du mois d'août. Attendez, je vais en avoir le cœur net. Je reviens. Comment a-t-il pu se tuer? C'est ce qui aurait pu nous arriver. Je trouve ça curieux. Avec ça, pas d'erreur possible. Tout est enregistré. C'est le registre des passages au refuge. On note tout ce qui se passe. Ah, voilà. J'avais découpé l'article. Regardez, c'est bien ce que je disais. 10 août 53. Mort en montagne, imprudence ou sombre énigme rattachée au jour sombre. Mardi, au cours d'une randonnée en montagne, Gunnar Reich a fait une chute mortelle. Les sauveteurs n'ont pu que constater le décès. Il était accompagné de deux personnes dont la police n'a pas révélé l'identité. Vous permettez? Je vous en prie. On reparle de ces énormes quantités d'or cachées au Krottenwald par les SS et qu'on n'a jamais retrouvées, même à la suite de recherches effectuées par... Or, il semblerait, selon ce que certains affirment, que Gunnar Reich aurait été mêlé à cette affaire. Ouais. Qu'en pensez-vous? Des roms. Tout ça, c'est des roms. Gunnar Reich de Mittenwald, né en Suède, date de naissance inconnue. Gunnar Reich a trouvé la mort par accident le 10 août 1953 vers 16h, sur les pentes du Krottenwand. Ouais. Est-ce qu'il ait fait allusion au témoin? Oui. Un certain Xavier Steinberger. Steinberger. Et un certain Fred Speaker. Un nom pas très allemand. Ce sont les différentes phases de développement de l'hôtel? Oui, ça s'appelait la vieille auberge autrefois. Ça appartenait déjà au Steinberger? L'auberge était au père qui la tenait du grand-père Steinberger. Si je comprends bien, c'est le fils qui a en quelque sorte anobli l'auberge. Oui, la fortune sourit aux audacieux, comme on le voit. Monsieur Meyer, le téléphone, je crois. Nous avons reçu un héritage en 53, ce qui nous a permis d'apporter quelques améliorations. En 53, vous disiez. Comme le vin, il y a de bonnes et de mauvaises années. Pourquoi diable m'avez-vous dissimulé que vous connaissiez Gunnar? Qu'entendez-vous par dissimuler? Vous m'avez affirmé que ce nom ne vous disait rien. Ce qui m'étonne, c'est qu'en 53, quelqu'un se tue dans la région et que... Vous ignorez son nom. Je vais vous dire une chose, si vous le permettez. Même si vous êtes mes hôtes à l'hôtel, on ne peut pas dire que nous nous connaissons. Or, j'ai pour habitude de ne dire que ce que je veux bien aux étrangers. Tout ce que je sais de vous, c'est que vous venez de Suisse. Et ce sont de vieilles histoires qui plus est. Je ne veux plus en entendre parler, car de toute façon, on raconte n'importe quoi sur cette affaire. On ne peut pas se débarrasser des vieilles histoires. J'ai de l'expérience sur ce sujet. L'expérience? Vous n'êtes pourtant pas si vieux que ça. Disons que je gagne ma vie en faisant du barouf. Barouf? Seriez-vous auteur à scandale ou pourquoi pas policier? Employé de banque. Ben, dites donc. Qui l'aurait cru? Il ne faut pas se fier aux apparences. Je recherche les héritiers de Gunnar Reich. Les héritiers? Gunnar a laissé quelque chose? Certaines choses. Qui valent? Ça dépend. Monsieur Meyer, vous allez me décrocher ces vieilles photos. Nous mettrons de jolis cadres à la place. Prends pas cette air de chien battu, ce n'est pas si grave. Je vois vraiment pas pourquoi, Edgard. Les médecins craignent une commotion cérébrale. Et ça me permet surtout de dormir tranquille. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Pauvre chérie.
Bon, allez, dis-moi ce que tu as fait comme trouvaille. Toi? À part ça, le père Stenberger était là. Quand Reich a dégringolé. Le patron de l'hôtel? Ouais. Tu te souviens de quoi nous avons parlé avec lui? À table? Bah, que nous voulions aller au Grotenwand. On ne lui a pas dit le but de la promenade. Non. Tu ne vas pas croire qu'il est responsable de l'éboulement? Qu'il a voulu nous tuer? De toute façon, il a nié avoir connu Reich, ce qui est faux. Je n'apprécie pas du tout de te savoir en train de fouiner tout seul dans le passé de ces gens. Wiegel, apporte deux kirsch, s'il te plaît. Il y a une question qui me tarabuste. Ce que Gunnar a laissé, qu'est-ce que ça vaut, juste? Ça vaut cher. De toute façon, je ne vois pas qui en hériterait, en dehors de sa femme. Elle est partie juste après l'accident, et on ne l'a plus revue. Où est-elle partie? En Amérique, je crois. En Amérique? Oui, elle a fait ses mal avec le Fred Speaker, qui était là aussi au moment de l'accident. Speaker était un bon copain, Gunnar. Vous aussi? S'il vous plaît. Vous étiez également l'ami de Gunnar Reich? Oh, vous savez, monsieur Klein, les amis vont et viennent dans la vie. Disons que c'était une connaissance. Les randonnées en montagne ne font pas partie de vos attributions. Où irions-nous si chacun se mettait à parcourir l'univers avec femme et enfant, par-dessus le marché au foie de la banque? Sachez que M. Klein doit partir seul pour New York. New York? Bah, c'est ce que nous allons voir. S'il demande un viatique, je refuse de signer. C'est déjà signé dans... Ah bon? J'ai jamais mis les pieds à New York de ma vie. C'est vrai? Oui, je vous le jure. Et je travaille ici depuis 15 ans et demi. Je ne voyage pas pour le plaisir, nom d'un chien. Je ne fais qu'accomplir ma mission, voilà tout. Ouais. Un aubergiste bavarois vous affirme que la femme est en Amérique et vous vous hâtez de sauter dans le premier avion. Compte tenu des circonstances, le seul moyen d'entrer en contact avec Madame Reich consiste à passer par le canal du nommé Speaker. Si nous admettons que Madame Reich et Speaker sont partis ensemble, il me sera facile de remonter la filière par le FED. Mais qu'est-ce que c'est encore ce machin-là? Le Foreign Exchange Depository, une espèce de caisse de dépôt, chargée spécialement de gérer les fortunes issues du Troisième Reich. Et dont le siège est à New York. Oui, j'en suis désolé pour vous. Non, aucune importance. Get a job or something. Man, trying to make line or something. Try to get a job or something. Anything to help out. God bless you, champ. How much is that? I got five kids. It's anything. Yeah, it's okay. God bless you. Y'all have a nice day. Okay. Appreciate it. God bless you. Mon cher monsieur Klein, nous ne sommes pas les seuls à supposer que des fortunes considérables provenant de l'Allemagne nazie reposent encore dans les banques suisses. Allons, monsieur Wood, vous n'êtes pas homme à accorder crédit à ces histoires fantaisistes. D'après nos estimations, l'équivalent d'un milliard de dollars manquerait dans les comptes de l'ancienne banque du Reich. Cet argent n'est pas ou n'est plus en Suisse. En tout cas, pas dans les coffres de notre banque. Mais le magot qui y est à l'heure actuelle... J'ai cru comprendre qu'il portait l'estampille de la banque du Reich, n'est-ce pas? Oui, sans doute, mais ça ne prouve rien. Je veux dire que la personne ayant loué ce coffre l'est acquis de manière illégale. Ou... Rien ne le prouve, mais tout le laisse supposer. Pour l'instant, on peut supposer que le dénommé Fred Speaker a joué un certain rôle dans l'affaire. Ça semble évident. Comme vous nous l'avez demandé, nous avons fait des recherches. Speaker était sur les lieux. Après la Seconde Guerre. À Garmisch-Partenkirchen, je veux dire.
Il était chargé de recueillir des informations sur le fameux trésor des Nibelungen que vous connaissez. Qu'est devenu ce trésor? Disons qu'une certaine partie a été mise en lieu sûr en 1945. Mais hélas, le pactole, si je puis dire, est resté introuvable. Qu'est-ce que Speaker a bien pu faire des 400 000 dollars en espèces que Reich lui avait remis? Seul Speaker pourrait vous répondre. Vous lui avez demandé? Tout n'est pas aussi simple. Vous avez vous-même des difficultés à retrouver les gens, et pourtant, c'est pour leur donner de l'argent. Imaginez ce que c'est quand on leur en demande. Si je comprends, vous ne savez même pas où il habite. En Argentine, au Brésil, en Bolivie, là où il est à peu près sûr de retrouver des ex-nazis. J'aimerais vous demander une chose, monsieur Wood. Tout à fait entre nous. Où sont passés les je ne sais combien de milliards confisqués par le FED à l'Allemagne nazie? Et chez vous, ça va? Monsieur Harvey Weinstein, vous prie. Non, pas bête, Weinstein, W-E-T-T. C'est ça. Harvey? Salut, c'est Yves Klein de Zurich. Non, je te téléphone d'une cabine de New York. Précisément, c'est de ça dont je voudrais te parler. Pour un coup de main, je sais pas. Oui, évidemment. Difficile de t'expliquer ça par téléphone. Bah dis-moi, on se retrouve où? Je peux pas, je suis pris. Dans une heure, d'accord. D'accord. Oui, directement à ton bar habituel. À tout de suite. Je te prie de m'excuser, Harvey. Ça a été plus long que je ne le croyais. Tant pis, et ça fera la troisième tournée. Bière. Alors, ça avance doucement. Pas tellement, depuis que je t'ai expliqué par téléphone ici, à ta succursale, je cavale toujours après ce Reich. Tout le monde sait que l'Amérique du Sud, c'est plutôt grand. Comment retrouver un type comme ce Speaker alors que le FBI ne peut y arriver? On préfère ne pas y arriver. Croisons un spécialiste. Toutes les informations qui piquent un peu le gouvernement, on les cherche autre part, tout simplement. Ça paie comment? Tu connais le tarif? Je vous passe pas le téléphone, il faut que j'appelle Rio de Janeiro. C'est mon ami qui paiera. Ouais. Paros, paros, paros. Ah. Allô, standard? Vous avez toujours été réputé pour votre organisation. Les Allemands font toujours les choses comme il faut. J'ai un passeport suisse, Paros, pas allemand. Bon, excusez. La femme de Speaker vient d'Allemagne, elle aussi. Ça facilite les contacts avec la colonie allemande. À cause de ça uniquement? Bah, sait-on jamais. Il y a peut-être d'autres raisons, des raisons d'affaires. Vous ne savez pas comment cette femme s'appelait avant de se marier avec Speaker? Juan Paros, c'est tout. Stranker, elle s'appelait. Veuve Reich. Reich? Ouais. Fille Stranker. Je ne tiens pas trop à ce qu'il me voie. Vaut mieux que vous vous présentiez seul. Merci. Bonne chance. Oui, vous désirez. Je suis Yves Klein, Helvetia Bank de Zurich. J'aimerais voir monsieur ou madame Speaker. Entrez. Bonjour, monsieur Speaker. Monsieur Klein. Mes hommages. Soyez le bienvenu, monsieur Klein. Les visites d'Allemagne nous réjouissent toujours. Asseyez-vous. Merci. Je m'ennuie. Il y a de mes compatriotes. Monsieur Klein est suisse, je vous le rappelle. Désolé de vous décevoir, chère madame. Décevoir? Non.
J'apprécie même davantage. La Suisse a toujours été mon pays de prédilection. Je suis sincère. Savez-vous qu'en Bohême, quand j'étais jeune, je croyais qu'en Suisse, on mangeait que du chocolat. Désirez-vous quelque chose à boire ou même une collation? Nous n'avons pas de bons les Suisses, malheureusement. Oh, arrêtez! Vous êtes vraiment impossible. Peut-être une liqueur de gentiane. J'ai eu le plaisir d'en déguster à Garmisch il y a 8 jours. Qu'alliez-vous faire à Garmisch? Il n'y a plus de montagne dans votre pays? Je vous cherchais. Ou disons plutôt votre épouse. Mon épouse? Oui, pour une affaire d'héritage. Mais dites-moi, ça me paraît très séduisant. Vous avez entendu? Il nous a dit cela en passant, comme si de rien n'était. Ramon, la même chose. On ne vous annonce pas un héritage tous les jours, ça s'arrose. Comment s'appelle la tante bien-aimée qui nous a couché sur son testament? Véronica Edeltraut. Gunnar Reich. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ainsi donc, ce bon Gunnar nous a légué quelque chose. J'espère qu'il ne s'est pas montré trop mesquin. Et l'héritage en question a été déposé dans votre banque. Oui, voilà un bon nombre d'années. Bon nombre d'années. En 45, vous pouvez calculer. Pas loin de 50 ans, selon mes calculs. Très intéressant. Vous êtes bien installé ? Si? Non, non. Yves Klein? Ouais, ouais. Vous voulez que je fasse un saut chez vous? Ah, je vois. Bon, eh bien, venez. Ici, à mon hôtel. Le téléphérique? Entendu. Disons dans une heure. Oui, oui, j'y serai. Vous pouvez compter sur moi. Prendre l'avion pour retourner en Allemagne ou à Zurich. Bon, nous le prendrons ensemble. Il aurait fallu que vous veniez à Zurich pour l'héritage n'importe comment. Oui. Je ne reviendrai plus jamais ici. Pourquoi cela? Eh bien, parce que je vais demander le divorce. Il y a bien longtemps que j'aurais dû le faire. Si je ne me décide pas, ce sera le drame. Pourquoi avez-vous suivi ce Fred Speaker il y a 40 ans?
Je n'avais que 27 ans, ce qui explique tout. Sur mes 10 ans de mariage avec Gunnar Reich, il en avait passé 9 en prison. Évidemment, l'Allemagne d'après-guerre n'était pas un paradis. Et là, j'ai rencontré mon mari, mon futur mari jeune et beau, le gros lot. Toutes les filles de l'après-guerre rêvaient d'épouser un Américain. Pourquoi Gunnar Reich avait-il fait de la prison? On l'avait accusé d'un odieux crime de guerre. Mais l'année dernière, j'ai fini par tout découvrir. C'est Fred, mon second époux, qui avait commis cet odieux forfait. Et qui avait accusé Gunnar. Il affirmait qu'il lui voulait du bien. Mais un jour, j'ai su que Fred avait trempé dans la mort de Gunnar. Que sa chute en montagne n'était pas accidentelle. Gunnar était au courant des manigances de Speaker. Oh, chacun d'eux savait des tas de choses sur l'autre. Alors et vous, qu'est-ce que vous savez? Nous y voilà. Je vous jure que je vous raconterai tout. Mais à Zurich. C'est Yves Klein, je voudrais parler à Monsieur Speaker. Entrez. Toujours ravi de vous revoir, Monsieur Klein. J'ai appelé ma banque ce matin et malheureusement, notre règlement est formel. La présence de votre femme est indispensable. Il faut qu'elle se rende en personne à Zurich, sinon pas d'héritage. J'ai le regret de vous faire savoir que les choses ont évolué depuis votre démarche d'hier. Ma femme ne pourra pas se rendre en personne à Zurich. Elle m'avait semblé pleine d'enthousiasme. J'en connais la cause, Monsieur Klein. Ne voudrait-elle plus de son héritage? Elle ne pourra malheureusement pas le recueillir, parce qu'elle vient de mourir. Demande pardon. Ma femme est morte cette nuit. Thrombose coronaire selon les médecins. Voilà. Vous le croyez capable d'avoir tué sa propre épouse? Il a le profil de l'assassin. Voilà ce qui arrive quand on veut être trop généreux avec les gens. L'argent doit rester à sa banque. On est sûr qu'il n'y fait pas de dégâts. Monsieur Speaker ne partage pas cet avis. Son avocat m'a appelé. Ils sont prêts à faire valoir leur droit à la succession. Le veuf éploré n'a pas perdu de temps. Il maîtrise son sujet. C'était l'époux légitime de Madame Speaker. Précédemment, veuve Reich. Excusez-moi, Monsieur Klein. Madame Grisard désire vous parler. Elle dit que c'est urgent. Je vous en prie. Oh, je vous prie de m'excuser, je reviens. Maya, je suis en réunion avec mon patron. C'est pas si facile. Un moment. Nous reprendrons demain matin. Un Armagnac. Merci. Salut. Salut. Pourquoi tu fais cette tête-là? Je suis à l'heure. Oui, enfin, un peu de chance près. Tu as des ennuis au travail? Je suis écœuré. Cette pourriture de Speaker va encaisser des millions. Et je me suis démené pour lui. C'est pas encore fait. Rien ne pourra s'y opposer. Sauf... Sauf quoi? Qu'est-ce que t'as encore fabriqué? Cette histoire d'Ornazi m'empêchait... S'il vous plaît? Un café ordinaire et... Un double express bien tassé pour monsieur. Tout de suite. Cette histoire d'Ornazi m'empêchait de bien dormir. Je me suis permis de poursuivre les recherches à Mittenwald et à Garmisch. Maya, j'aime pas du tout que tu te mêles de mes occupations. Il fallait le dire avant.
Ça m'aurait évité une balafre. On sait que la guerre est sale, mais l'après-guerre l'est tout autant. Un réseau de drogue international a vu le jour, mené à la fois par d'anciens nazis et des officiers US, et financé par les millions provenant de la Reichsbank. Il y a eu des meurtres, entre autres celui d'une barmette qui avait reçu des confidences sur l'oreiller. Ça ne m'intéresse pas. C'est pourtant passionnant. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur cette organisation énorme, mais les fils sont trop ténus. Et un beau matin, je suis tombée sur la nouvelle. Tu ne devineras pas. Adolf Hitler était juif. Pauvre mec. Madame Speaker n'est pas et ne sera jamais la veuve de Gunnar Reich. Si son mari est décédé? Ils n'étaient pas mariés, du moins légalement. Ils se sont mariés simplement à l'église à la fin de la guerre. Il faut savoir que c'était le désordre complet, il n'y avait même plus d'état civil. Un mariage religieux, ça suffit? Pas selon le code allemand. Tiens, Lisa, ça va peut-être te calmer. Chère madame, en réponse à votre lettre du 18 courant, nous vous confirmons que... Tu permets ? Que votre tante ne peut être considérée comme épouse légitime de Gunnar Reich, étant donné que leur union n'a jamais été officialisée. Votre tante ? Oh, l'administration est si tétillonne. On ne donne ses précisions qu'aux membres de la famille. Alors, Speaker là dans le baba ? T'es génial.